Oh là là. Merde. Ouvrez. Qui y a? Il y a le pape. Ouvre, ange, j'ai envie de pisser. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je continue dehors, moi. Oh putain, merde. Oh, piche-toi. Je suis à fond. C'est bon, tu peux y aller, hein. Où il est? Ça, il est fou, celui-là. Écoutez ça, on va passer l'album de Florent Spani, Florent Bani, Florent Bani, ou quoi je vous dis. Oh, le type, il est bon. Hein. Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Il fallait pas le faire. Maintenant, tu l'as fait. L'album, il est bon. Aimer, aimer, c'est l'amour, aimer. Enfin, combien ils sont là-dedans, hein, oh. La libellule. Oui, j'adore que tu fasses la libellule. Ça te plaît, hein, que je te fasse la libellule, hein? Oh, oui, 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 fais-moi la libellule. Je vais te faire la libellule. Ah, oh, oui, 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 fais-moi la libellule. Eh, hey, fais-lui la libellule. Oh. Celui-là, il se drogue. J'aurais bien fumé une cigarette, tu vois. Je fume même pas. N'importe quoi.
Ah, l'amour. Allez, fais-moi la sauterelle. C'est vrai, hein? Enfin, oh, il va lui faire tous les insectes ou quoi? Oh, oh! Et la limace, hein? Dis-lui qu'il te la passe, la limace, il la fait bien avec la tête qu'il a, vas-y! Pas rire, non? Ça où? Ah, c'est Pilo. C'est une boîte à cacao, tout ça. Otec, téléphone. Otec, téléphone, c'est ta mère, oh. Dis-lui que j'appelle après. Non, 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 elle a dit que tu venais maintenant, sinon elle meurt. Ouais, ça va, hein, c'est bon. Raccroché, non? Oui. Ouh! Hein? Non. Ouais. Ouais. Non. Non, c'est Pido qui déconne, ouais. Il déconne, ça prend les coups de poing, Pido, ouais. Ouais, c'est... ouais, non, j'ai pas le temps. Enfin, je te... Ouais, allez, ciao. Où tu vas? Où tu vas? Je retourne, il y a... Tu es fou, viens ici. Quoi? Viens ici. Viens ici. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Fais pas y aller, j'ai rendez-vous, hein. Et non, c'est pas parce que tu as rendez-vous que je vais pas y aller, non? Bien sûr, quoi. Parce que j'ai rendez-vous avec la brune de l'autre soir. La brune? Le pizza? Bon. C'est bien, bon, j'y vais. Mais attends, attends, où tu vas, tu fou? Je suis pas qu'un égoïste. J'ai pensé à toi, je lui dis qu'elle fasse venir la blonde qui est toujours avec elle, tu sais? La blonde qui est toujours oui, avec elle? Oui, ouais, tu vois qui c'est. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Ouais. Brudeline. J'ai pas compris. Dideline, Dideline. Quoi? Je t'en parle, viens, viens ici. Drudine, je crois. Viens ici. Je crois que c'est peut-être Drudine. Allez, dis-moi comment il s'appelle. Drudine. Drudine. Gwendoline. Voilà, ça, mais je sais pas le dire, ça, voilà. Ah non, oui. Tu es fou, quoi. Incha, les goffes, oh. Quoi, Drudine, les goffes. Les goffes comme le pécade, oh. Oh, tu as pas vu la face qu'elle a? Elle a une face comme ça. On dirait le losange rouge des bureaux de tabac, oh. Attends, ils sont beaux, les losanges rouges, ils brillent. Ils sont beaux, mais pas sur la tête d'une fille, yao. Oh, tu exagères, oh. Moi j'en trouve bien. Tu as pas vu le cul qu'elle a? J'ai pas vu le cul qu'elle a. On voit que ça, il est comme ça, son cul. Tu exagères, non, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je trouve qu'il est bien. On dirait qu'il a été fait au pinceau, il y a des petites courbettes. Oh, pinceau. Il a été fait au rouleau, oui, comment ça? Et c'est pas des courbettes, monsieur, c'est des grands tournants qu'il y a. C'est pas bien ce que tu fais. Parce qu'elle arrête pas de me dire qu'elle te trouve bien, tu vois. Toi, ouais. Tu tailles, toi. Eh ben, moi, j'arrête pas de le trouver goff. Toi? Oui, moi, oui. Toi, tu as trouvé moche? Oui, 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 oui. Tu peux parler. Qu'est-ce que tu as dit? Non, rien, hein. Je dis juste que ça me fait rire les ânes qui veulent se faire des juments.
Attends, là, je comprends pas, je comprends rien à ce que tu dis, je comprends rien du tout. T'as pas compris ? Non. Je veux dire que par là, je veux dire que des fois, tu ferais mieux de te faire des années pour être un peu à ton niveau. Je te que toi, ça. Ouais, eh ben je viens pas à ton rendez-vous, tu vois, parce que j'ai pas envie de me faire ni jument, ni ânesse, ni chienne. Quoique chienne. Non, et puis en plus, je sais pourquoi tu fais ça, je le sais. Tu fais ça parce que tu as peur. Non, putain, j'ai peur, je sais pas de quoi, je vois pas de quoi j'ai peur. Hein. Qui a peur, ouais. J'ai pas peur. C'est pas que j'ai peur. Il y a pomme là. C'est pas que j'ai peur. C'est que je peux pas aller au rendez-vous. Je peux pas y aller seul. Tu as pas vu les 5 là? Et alors, c'est pas parce qu'elle a des gros seins qu'on va y aller à plusieurs, non? On va y aller en bande. Allez, Odidier, il y a des gros seins. Allez. C'est pas ça. C'est que, je t'explique, si j'y vais seul, mes yeux, ils vont bloquer dessus. Parce que si on est plusieurs, je regarde les gens et tout, et voilà. Ah non, pas lui. Ah, c'est le fou qu'on nous met chaque année. Oh. Ouais. Oh, comment oh. Sit down. Quoi? Assis-toi. Tu comprends, comment je vais faire? Je peux pas. Attends. Aide-moi. Oh, avec tes conneries. Concentre-toi. Je sais pas comment je vais faire. Torticolis. Alors, en deux. En torse. Non, torticolis. Ah, c'est bon, attends, c'est bon, je vois, c'est l'autre, attends. Non, pas. Scoliose. Non, mais qu'est-ce que tu me dis? Je te dis torticolis. Eh, je croyais qu'on jouait à pyramide, moi, qu'est-ce que j'en sais, hein? À pyramide, n'importe quoi. Quoi alors? Qu'est-ce que... Non, tu fais croire que tu as un torticolis. Tu fais croire que tu as un torticolis, parce que quand tu as le torticolis, tu peux pas bouger la tête comme ça, tu vois? Et du coup, tu peux pas regarder ses seins. Allez, on le fait. Toi, tu fais pido, moi, je fais la fille. Qu'est-ce que tu fais là? Pido. Non, pido normal. Oh. Je peux pas le faire, moi. Bon, je fais pido, je fais la fille, d'accord? Torticolis, voilà. Ah, torticolis, moi, la fille, gros sein. Oh, gros sein, bouge, gros sein. Oh, c'est des gros seins qui bougent. Attends, c'est pas parce qu'il y a des gros seins que c'est une folle, hein? Oh! Ah, ouais, c'est bon. Non, moi, j'ai réfléchi, Alors, pido, gros sein. Oh, gros sein, regarde donc, gros sein. Parle pas comme ça, hein? Bon. Aguichement, gros sein. Et moi, impossiblement, torticolis. T'as raison, ça marche. Et voilà, tu vois, ça marche. J'ai pas pensé à ça. Eh ben oui. Je ferai rien comme ça. C'est quoi? Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est... Qu'est-ce qu'il y a? Coucou! Quoi? Coucou! Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est un coucou. Un coucou? Ouais, j'ai acheté aux puces. C'est un poulet sans plume, sans rien! Il lui manque même un bras, celui-là! Clément, regarde! Les coucous, c'est pas des vrais poulets, les coucous! Mais oui! Comment, mais oui? Donne-moi ça, celui-là! Pouh, ça va, au plus, c'est plus! Eh bien, hein? Tu as acheté ça au plus? Ouais, 25 francs. Bon, j'y vais, hein, Pido. Où tu vas? J'ai pas le temps, hein, non, je peux y aller, oh! Pourquoi? Pourquoi tu veux rentrer dessus? Grisette, tu as froid! Eh oui, j'ai froid! Va te mettre un pantalon, il faut que je te parle! C'est quelque chose d'important! Chier. Parce que tu vois, je vais t'expliquer. C'est pas qu'une question de... C'est que c'est ça qui me coince aussi. C'est que c'est le premier rendez-vous que j'ai avec elle. Hein? Ouais. Bon, et ben moi j'aime pas le début avec les filles. Ça, attends, c'est le plus beau, le premier rendez-vous. Qui est plus beau, c'est con, ouais. Tu es fou, hein, oh. Le début avec les filles. Eh. Bien, moi ça me plaît pas. Hein. C'est la découverte l'un de l'autre. Eh. On dirait un livre. La découverte, arrête un peu, il y a de la gêne, il n'y a que de la gêne le premier soir. Tu as envie de péter, tu peux pas. C'est vrai ou pas? Ah, c'est sûr. Tu te vois que tu allez, viens, on va au cinéma, tu vas au cinéma, puis tu vas boire un coup, tu rentres à la maison. Il était bien le film, hein. Tu peux pas. C'est sûr. Reconnais. Ouais. Ah merde, j'ai oublié le pantalon, mais... C'est comme moi l'autre fois. Mais tennis, j'avais froid encore, je me disais, oui, je fais froid. Comme moi l'autre fois, je vais retirer des sous au distributeur, tu sais. Je vais retirer des sous au distributeur, je mets la carte. C'est le jour où on avait mangé les gros haricots, tu sais, ceux qui font du bruit. Ouais. Enfin, qui nous font faire du bruit, quoi. Mmh. Et j'ai mal au ventre d'un coup. Donc je me laisse aller un moment au ventre et bon, je pète, quoi. Et d'un coup, ça fait...
Voilà. Laissons aller les choses. Et d'un coup, j'entends comme ça. Ça fait pas comme ça, un distributeur, tu vois. Donc, je me tourne, et derrière moi, il y avait une fille. Oh putain, la rise! Heureusement, la fille, elle était goff, tu vois. Heureusement, t'imagines, tu courais devant une fille bien. Oh, enfin, derrière, là, c'était quoi. Oui, enfin, derrière pour toi, devant pour elle. Ouais. Non, c'est pour ça, moi, je te dis, moi, ça me plaît pas, ça. C'est... Pourtant, je te dis, pourtant, il pète mes mains. Ah, ça. Attends, parce que quand tu pètes, ils font une surprise. Ils font. Oh! C'est vrai, c'est vrai. Oh, quoi? Oh, explique-moi qu'est-ce qu'il y a chez elle. Comment ça se passe chez elle? Il sort des cloques après les quatre la cloque. C'est vrai. Hein? C'est l'étonnement. Oh, mon Dieu. Eh oui. Eh non, mais c'est vrai. Ouais. C'est pas vrai, madame. Madame, sérieux. Vous pétez, vous aussi. Vous vous pétez pas à montrer les cloques, allez. Regarde. Tout le monde pète, sinon on explose. C'est évident. Mais tout le monde... Madame! Entre nous! Ah, vous pétez, hein, oh! Oui, il pète, on ne regarde pas! Ah, moi, ça! Et puis, attendez! Il n'y a pas que les moches qui pètent! Non, non, je vous rassure, il y a même les canons, les pétons, ils pètent aussi, hein! Les pizzos. Ah bah écoutez, quoi? Les pizzos, quoi? T'es sérieux, regarde les pizzos, écoutez-moi. On va prendre un pizzo, on va prendre un canon au hasard dans la salle et on va lui demander, allez. Non, attendez. Il n'y a pas. Vous! Vous avez de la chance que j'ai dit un pizzo. Regardez ça comme c'est caché tout. Mais à lui tout ouvrir, ce cookie. Alors, je sais pas, se cacher tout, elles ont toutes peur. Elle, voilà. Alors, mademoiselle, vous pétez pas, vous. Ah, vous pétez, en toute impunité. Et si votre copain le premier soir, il pète, vous allez faire rond quand même, hein, quand même. Tu vois, il pète en plus, c'est ça. Ce style-là, c'est le genre à porter des strings, ça. Hein. Non, et comment? Non, attendez, je t'explique. Bon, je vais te dire, c'est pas plus con, hein. Parce qu'il y en a qui mettent les culottes dites normales, hein. Un peu larges. Quand vous pétez avec ça, c'est l'heure, ça va... Après, ça redescend. Avant que ça redescende, la seconde, bon... C'est mieux le string. Bon, c'est vrai que le string, toute la journée, pour lui, c'est la galère, comme ça. Mais au moment du P... C'est lui le meilleur, parce que quand vous pétez, il fait comme ça, lui. Hop là! Hop là! Enfin, tout ça pour te dire que moi, j'aime pas le début parce qu'il y a du malaise au début. Tu es pas naturel. C'est vrai, tu es pas naturel. C'est vrai, c'est vrai. Bon, alors. Et puis, il n'y a pas que ça qui me tracasse avec elle. Parce qu'elle, elle est spéciale. La brune. Ouais. Attends, la brune. C'est fou, mis la brune. Elle en a dans le ciboulin. Ouais. T'es fou, elle est journaliste, pour te dire. Où ça? À Nice Matin. Ça va, c'est bon. Non mais elle, c'est pas pareil, elle est intelligente. Ah. Parce qu'elle vient à peine d'arriver à Nice Matin. Ah, d'accord. Elle est passionnée des trucs, des Strozov, là. Michel Strogoff. Ah ouais, Strogoff. Des Strozov, tu sais, des Explicolosov. Des philosophes. Ça, je sais pas le dire, voilà, ça. Philosophes. Passionné, t'es fou. Et alors? Quand elle va parler, tu m'as compris. Ah ben tu sais ce que tu vas dire quand elle va commencer à parler. Ferme-la, je veux lui dire. Non, quand elle va commencer à parler, déjà, tu prends ton air intelligent. Oh, j'ai un air intelligent, moi. Oui, prends ton air intelligent. Tu prends ton air un bruit. Non, bon, non, mais attends. Tu vas pas laisser parler qu'à elle, oh, qui tu es? Oh, tu es pido ou quoi? Attends, tu vas laisser parler qu'à elle. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh, tu as raison, et qui je suis? Écoute-moi, tu vois la fille, elle ouvre la bouche, elle lui parle un coup de tête, un cache dans le ventre, un coup de poing. Qu'elle ouvre la bouche, vas-y, devant tous ses copains et ses copines, je lui chacun à ti! Hein? Mais pas bonjour, c'est ça qu'elle se la ferme, mi!
pied. Serveur, un café fou. Hop, laissez parler, Moi, qu'est-ce que je fais? Je tricote. Mais dis. Quoi? Tu n'as pas envie de sortir avec elle, alors? Oui, mais qu'est-ce que cela ferme? Bon, attends, alors. Tu sais ce que tu fais? Tu l'emmènes directement au resto, hein? Tu l'emmènes au resto, tu lui payes, toi, le resto, hein? Ah, bon, je paye moi le resto. Oui, mais... Attends. Ah oui, libération de la femme, mais c'est nous qu'on paye. Écoute, et arrivé à la fin du repas, tu lui choques un dessert. Tu es fou, devant tout le monde. Tu lui offres un dessert. Je vois pas ce qu'il y a de... Ah, d'accord. Après, vous partez directement chez elle, parce que les filles, elles aiment les types directs, hein. Donc, direct chez elle, tu arrives chez elle, tu baisses la lumière. C'est fou. Tu baisses la lumière, et tu lui mets Sade en fond musical. Quoi? Sade. Chadegou. Chadegou, n'importe quoi. Tu vas prendre des chats dans la rue, des Chadegou, tu vas les faire chanter. Alors, toi, tu me fais le dos. Non, dos. Voilà, n'importe quoi, où des chats? Non, c'est pour ça, ça me paraît bizarre. Vas-y. Non, Sade, la chanteuse noire. Moi, j'ai pas la musique des noirs. Moi, je lui mettrais à Villette, je lui mettrais. Ou Patrick Fiori, oui, j'ai Patrick Fiori. Tiens, Patrick Fiori. Ne mets pas. Bon, bref. Tu lui offres du champagne, tu lui verses du champagne dans une coupe et tu lui mets délicatement une fraise dedans. Elle va pas vouloir. Dans la coupe. Oh. Hein? Après, vous partez directement dans la chambre, tu te déshabilles et attention, très important, tu mets tes affaires au bas du lit, tu vois, et ton pantalon là, à distance de ton bras, tu vois, environ 1 mètre. 30 centimètres. Je t'emmerde. De manière à ce que, au moment où pourtant... Ou pourtant, quand c'est le moment venu, tu prends le préservatif. Ah, non, tu es fou, quoi, ça, je le mets pas, moi. Je l'ai mis une fois, je me suis ruiné avec le papier aluminium, tu sais, toi. Mais je rêve, il faut l'enlever, le papier d'aluminium. Ah, je suis désolé, il faudrait le marquer dessus. Oh, je serai mort, je vais forcer. Bon, tu enlèves le papier d'aluminium et tu le mets, parce qu'il faut les mettre aujourd'hui, les préservatifs, c'est important. Ah, moi, j'aime pas mettre ça. J'aime pas, mais il faut le mettre. T'as une moustache à la pomme, mais... Hein? Ou alors on fait un truc, tu me le mets toi. Hein? Non, Pido, il y a un problème, attends, qu'est-ce que tu dis? Eh oui, problème, moustachier. Quoi? Tu veux que je te mette. Quoi? Non, le préservatif! Hein? Mais, oh, tu rêves ou quoi? Je vais venir, vous tiens avec la fille, je vais passer la tête entre la jambe, oh, salut, ça va? Ça va? Mais non, mais pas chez elle, non! Doucement! Oh! Pas chez elle, ici, chez nous, avant de partir, tu me le mets. Mais même. Quoi? Tu es fou. Tu vas partir avec le préservatif sous le pantalon. Et alors, moi, quand j'arrive là-bas, je mets sur le pantalon, tout est prêt à table. Et si tu as envie de pisser? Eh, je pisse, c'est même pas mec. Au moins, ça gonfle, mais après, je ferai un petit trou, ça fait les fontaines. Moi, ça fait joli. Mais n'importe quoi, attends, je vais pas toucher ton truc aussi. Non, mais ça va pas la tête. Hein, oh. Quoi, écoute, on touche mon truc. Attends, entre copains. Hein, oh. Mais non, mais même entre copains, mais tu sais. C'est pas du truc de sexe, non, ça. Ça n'a rien à voir. On capait. Mais non, c'est de l'amitié. C'est comme quand je te touche au genou. Hein, oh. Je te touche, si tu veux, je te le mets sur le genou. Non, mais attends. C'est pas pareil, hein. Regarde, c'est comme. Regarde, c'est rien. Non, regarde, mais je... regarde, c'est rien. Non, mais ça attends. Hey, attends. Non, ça suffit. Arrête, mais tu vois pas que je suis en pleine détresse. Oh, ouais, mais c'est pas une raison. Mais. Non, il faut que j'y aille. Oui, mais écoute-moi, je vais te parler quand même. Bon, allez, vas-y. Tu ne sens pas que j'ai besoin de toi? Non, c'est pas ça que je sens, tu vois. Voilà, allez, mets-toi là-bas. Voilà. Oh, viens, oh, décolle pas. Oh, oh, oh. Viens, oh. Ah, très bien. Bon, ça va, je viens. Tu viens? Ouais, appelle-le, dis-leur que je viens. Allez. Ça y est, bon. Ça y est. Ça y est. Comment ça y est? Tu savais pas que je venais et tu leur as dit que je venais? Eh, je savais que tu allais venir, tiens, fradé! Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Bon, ça va. Où tu vas? Ne va plus. J'allais aller voir. Hein. Eh, qu'est-ce que tu vas aller voir? Attends, tiens, prends ça alors. Viens, quoi? Viens ici. Chut. Tiens, prends ça. Qu'est-ce que c'est? Un quart. Un quart? Non, un quart de Viagra. C'est du Viagra. Du Niagra? Non, du Viagra. Du Niagra? Ouais. Ah, le truc de... Ouais. Oh, wow. Ouais.
Pourquoi ça marche, ça? Ça marche. Attends, j'en ai pris un cas. Oh, tu m'as pas entendu ou quoi? Je t'ai pas entendu. Il y a tout le quartier qui t'a entendu. Et avec ça, du béton pendant 6 heures. Ça? Ouais. Donne-moi son dentier. Non. Donne-moi son dentier. Deux, ça fait du mal, c'est trop. Donne-moi son dentier ou je te frappe. Tiens, prends son dentier. Hey, tu fous. Encore 6 heures, avec ouais. Tout ça, ça me fait... Hey. On me monte en chaleur. Il n'y a pas que ça qui monte. Hein. Oh putain, oh, tu as raison, oh là là. Oh là là, mais ça je ne peux plus marcher. Oh là là, mon Dieu, c'est le chapiteau, regarde. Oh, c'est un truc de fou, oh. Hein? Je t'ai dit. Mon Dieu. Va répondre, moi je peux pas m'approcher du mur. Allô? Oui, oh. Non. Non, c'est pas Pido, non. Ouais, t'es la brume, pète ça, ouais. Je vous le passe. C'est fini. C'est fini. C'est fourmi. Allô? Hein? Eh ben, mais je vais passer le frottoir. Alors? Bon, oh, comme on a dit, rendez-vous au bar, hein? Quoi? Tu peux pas venir, hein? Ah non, non, hein? Ah, tu plaisantes quand tu viens, hein? Tiens! Tu viens, je m'en fous, toi, ta cousine, une vieille, un chien, j'amène quelque chose, hein? Apporte-moi quelque chose, monsieur! Non, peut-être! Quoi? Je m'en fous, t'es débrouillé, je m'en fous! Viens, mais ça va! Non, tu me fous, je m'en fous! Arrête, arrête! Non, non, je peux pas, tu fous! Arrête, tu fous! Arrête! Non, tu viens, quelque chose! Attends, tu fous! Je m'en fous! Un chat, même un chat, pourquoi pas? Non, je m'en fous! Mais pourquoi tu viens pas? Et le gosse, tu donnes à garder le gosse! Eh ben, tu le jettes, oh! Qu'est-ce qu'il y a? Elles peuvent pas venir? Oh putain! Je m'en fous, tu vas. Attends! Où tu vas? Viens ici! Viens ici! Ouvre ça! Tu ouvres ça? Oui! Non!